Hola todos, j'espère que vous allez bien, la famille, les amis, les animaux de compagnie. Ici Marissa, but you can call me Eva, and welcome nouveau, and welcome back aux anciens, to my YouTube channel. Du coup, comme vous voyez, déjà je ne vais pas parler fort, et je suis désolée s'il y a un écho, ok. Genre, je découvre l'endroit. Car comme vous voyez, les choses ont changé. Je ne suis plus à Lubumbashi, je suis enfin à Dubaï, les enfants. Yay! Ouais. Et voilà, comme j'ai dit, le contenu pour 2021 est là. Et voilà, il se rajoute. Donc ici, on est là pour une petite story time. Et comme vous pouvez voir dans le titre, je vous parlerai de mes péripéties dans et en dehors de l'avion. Ok. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de cliquer sur la cloche button pour être abonné à la... Et de cliquer sur la cloche button pour être notifié à chaque fois que la personne passera une nueva vidéo. Good. Maintenant, c'est de suite. Ok les gars, on est de retour pour vous parler de ce qui s'est passé dans l'avion et en dehors de l'avion. Alors comme je l'ai dit, je suis plus à Lubumbashi, je suis à Dubaï. Et pour y aller, il faut l'avion. Hey! Je suis censée y aller en famille d'abord, hein. Je suis censée y aller en famille, maison bloquée, les visas, machin, du coup au final, je suis allée seule. Ah, j'ai regretté ça. J'ai appréhendé ce moment. C'est ça le mot. J'ai appréhendé ce moment parce que moi, déjà, j'ai vécu 19 ans dans un pays, je connais pas les routes, je connais pas les directions, donc mon sens de l'orientation, il craint. Et donc moi je me disais prendre l'avion c'est très dangereux. Je me suis dit, si y avait un vol direct, ça va. Si tu te perds au moins dans le pays où tu es censé aller. Là, il y avait un transitif, il y avait une escale. Si tu te perds, c'est fini. Et moi j'avais trop peur de l'escale en fait. Donc voilà l'histoire de mes péripéties dans et en dehors de la. J'ai voyagé, machin, on s'en fout du jour, on s'en fout de la date et tout. J'y suis atterrée. Waouh. J'ai atterri dans l'avion et tout. Et c'était genre le premier avion qui allait de Lubumbashi à Addis Abeba. L'embarquement, c'était à l'aise, ok. De montre l'envers, tout ça. Et même tout ce qui était immigration dans mon propre pays, mon père avait payé un service qui fait toutes les démarches pour toi. Donc moi, j'étais déjà. Tu t'assois au calme, tu manges ton croissant, tu bois ton spray, tout va bien. Ensuite, si tu embarques. Là aussi, c'est facile, on te fouille. Tu attends, tu embarques, c'est fini. Maintenant, après, t'arrives dans l'avion. L'avion, c'est chill. J'avais déjà téléchargé mes animés, j'ai regardé ça, j'ai aussi lu la Bible. Ah, c'était chill. Sauf le moment où il y avait un Éthiopien là, qui m'a volé mon chargeur dans l'avion. Story time dans la story time, parenthèse. J'avais mon PC, je le sors de mon sac. Quand je sors mon PC de mon sac, le tonton voit un câble me sortir avec le PC. Il prend le câble au calme. Il branche son téléphone avec mon câble au calme, mais il s'est rendu compte que le câble ne marchait pas. Parce qu'en fait, c'était le câble de mon casque et pas le câble de mon téléphone. Parce que le câble de mon casque ne marche que pour le casque et pas pour mon téléphone. For some reason. Donc voilà, il m'a rendu le câble juste après et j'ai fait. Monsieur a du cul, mais whatever. Donc après cette péripétie et tout, j'ai dû manger et tout. J'ai pas beaucoup mangé dans l'avion parce que genre j'ai des problèmes de dents de sagesse. Elles ont commencé à pousser. Du coup, quand je mange, quand je mange beaucoup, ces dents, surtout celle-là, elle fait mal. Je peux même pas encore l'arracher parce qu'elle a pas poussé au point où tu peux l'arracher, tu vois. Donc bref. Je vais bouger la caméra. Le vol de Lubumbashi à Éthiopie s'est trop bien passé. Franchement, c'était chill. Ensuite, je suis arrivée à Addis Abeba. Addis Abeba, j'ai paniqué parce que je me suis dit, c'était là l'escale. Je vous jure que dès que les gens. J'allais vers les premiers de l'avion pour être sûre que j'ai des gens à suivre. Mon père était là. Quand tu arrives, cherche le panneau. J'ai fait là. Je suis les gens seulement. Suis les gens, c'est tout ce que tu dois faire. Suis les gens. J'ai suivi les gens, KLM. On est entré dans le bus, machin, qui vous emmène jusqu'à votre entrée là, de l'aéroport. Ok, le bus, il a bougé. J'étais là, oui.
Et on est arrivé à l'aéroport, on a dû enlever nos chaussures et machin. Et laissez-moi d'abord vous raconter un truc, hein. Vous savez, genre pour voyager, il faut au moins des babouches, des claquettes, whatever. J'avais des babouches. Elles se sont cassées avant mon embarquement pour le vol qui allait jusqu'à Addis Abeba. Et du coup, je devais porter des baskets. Et d'abord, le fait qu'elles se soient cassées juste avant, j'étais là, l'univers. Moi, je dis, l'univers ne m'aime pas, ok? L'univers aime bien faire de moi un sujet de moquerie. Genre, tout le temps je me blesse, tout le temps je me cogne le pied, tout le temps je souffre. Et puis je me suis dit, cette occasion de voyager seule, c'est une occasion pour l'univers de mettre tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait pour moi, il a mis seulement dans ce voyage. Du coup, je suis arrivée à Addis Abeba. On m'a fouillé et tout, on a fouillé mon sac. J'ai dû enlever mon PC pour remettre. J'ai dû enlever mon PC parce qu'il était dans le sac que j'avais amené avec moi. Et voilà. Ils m'ont fait repasser deux fois, ils m'ont fouillé pour deux fois. Parce que je devais faire les retours étant donné que je devais remettre mon PC dans mon sac. Bref. Et du coup, je suis arrivée et j'ai dû refaire plein de démarches et tout. Et à un moment, je devais remettre mes chaussures. Je remets mes chaussures, je prends mon sac et je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Et j'ai fait oh, mon téléphone. J'avais oublié mon téléphone dans le bac où vous mettez vos affaires à faire passer dans le scanner. Je fonce, je cours. Heureusement pour moi, mon téléphone est toujours dans le bac. Personne ne l'avait volé. Mais le fait que j'ai dû faire cet aller-retour fait que j'ai perdu mon groupe. Le groupe que je followais depuis le début, enfin que je follow, enfin, whatever. Whatever the conjugation is, on s'en fout. Et du coup, j'étais perdue, je sais là, je vais où, je vais quoi, je fais comment. Le numéro de ma porte était sur mon billet d'avion, mais j'arrivais pas où aller. Du coup, j'ai vu une dame qui était approchable. Je l'ai approchée et je lui ai dit. Madame, est-ce que vous savez où on fait à cette portée-là? Enfin, à cette portée-là. Ouais. Je lui dis, est-ce que vous allez à Dubaï? Il me dit, non, je vais à Bruxelles. Je lui dis, ah, est-ce que vous pouvez m'indiquer cette porte? Il me dit, ah, t'inquiète, tantine, tu fais ça, tu fais ça. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Et, ah, franchement, j'ai cru que j'allais rater mon avion. La pression. J'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis arrivée. J'ai fait ça, je suis arrivée. J'ai croisé une fille genre de l'âge peut-être de mon frère ou de ma soeur. Elle m'a dit, ouais, moi aussi je vais à Dubaï et tout, donc t'es au bon endroit et tout. Au début j'ai paniqué parce que j'avais appelé mon père entre-temps et je lui ai dit, ah papa j'ai trouvé ma porte. Et là, ah, félicitations ma fille. Il m'a dit, j'espère qu'au moins tu es au bon terminal. Moi je dis, oh, c'est quoi cette histoire de terminal encore? Il m'a dit, mais si le terminal, je suis allée demander. Je suis demandé à un gars là, en plus qui est. Ce gars, je lui faisais confiance, il me ressemblait à un security machin. Le gars ressemble à un security machin, je l'aborde. Monsieur, est-ce que c'est le terminal 2? Il me dit, ah là, je sais pas. Après, sur leur billet aussi, c'était écrit terminal 2. Du coup, j'étais là, Seigneur, c'est le bon terminal, on s'en fout. Et c'était bien le bon terminal. Du coup, on a scanné les billets, je suis entrée dans l'avion qui allait à Dubaï. J'étais contente, j'étais là, Marie, tu l'as fait. Oh my gosh. Du coup, j'ai atterri dans l'avion et tout. Dans l'avion, il y avait un Indien bizarre. On s'apprête à embarquer dans l'avion, ok? Et l'avion décolle et les hôtesses, elles bloquent les toilettes. Ok, elles bloquent les toilettes. Quand l'avion se stabilise dans les airs, elles décident de débloquer les toilettes parce que s'il y a des gens qui veulent aller aux toilettes, ils vont aux toilettes. Ok. Et moi, je faisais partie de ces gens-là qui voulaient aller aux toilettes. Du coup, il y avait d'abord une dame qui s'est levée. Elle voulait ouvrir les toilettes, ça s'ouvre pas. Un monsieur se lève, il essaye d'ouvrir les toilettes, ça s'ouvre pas. Un autre monsieur se lève, il essaye d'ouvrir les toilettes, ça s'ouvre pas. Du coup, moi je me suis dit, moi je suis la prochaine à me lever. Enfin, je suis dans un futur proche, dans un futur proche, moi je me lève. J'ai pas envie de me lever pour rien. Du coup, je vais chercher l'hôtesse et je lui dis, Madame, les toilettes ne veulent pas s'ouvrir. Puis elle m'a dit, non, il faut faire ça. Puis j'ai dit, Vous savez quand quelqu'un vous explique un truc parce que vous n'avez pas compris et que vous faites à la fin pour lui faire croire que vous avez compris, mais juste parce que vous voulez passer à autre chose et que vous n'avez pas envie de faire non, j'ai pas compris, réexpliquer. Voilà, c'était ça. Du coup, elle a vu que c'était ça et du coup, elle a dit attendez, venez, je vais vous montrer. J'étais là, ah, merci, tu m'as compris, tu as compris le message. Ok. Elle montre comment on ouvre, elle m'ouvre pour moi et j'entre. J'essaie de fermer les toilettes, ça ne veut pas fermer. J'essaie de fermer les toilettes, ça ne veut pas fermer. Parce que normalement, quand vous fermez les toilettes, la lumière devient toute. Enfin, la lumière s'allume en fait.
Au début, c'est juste bleu, après ça devient blanc. Voilà, c'est une marque. Tu fais ce que tu as à faire très rapidement. Comme ça, très rapidement, parce que si quelqu'un ouvre, parce que normalement, quand tu fermes les toilettes, là-bas, c'est écrit rouge pour dire que c'est fermé. Ben, moi, c'était écrit blanc, ça veut dire que n'importe qui pouvait rentrer. Je me suis dit, Marcy, tu fais ce que tu as à faire très vite. Je fais ce que j'ai à faire très vite. Et j'essayais de pousser la porte. Et les gars, pendant 10 minutes, 5 minutes, 8 minutes, je sais pas, j'essayais de pousser la porte. Elle ne voulait pas s'ouvrir. Elle ne voulait pas. Et genre, quand je suis entrée dans l'avion, enfin, dans les toilettes, j'ai vu un gars et il m'a regardé, je l'ai regardé. Donc, moi, je me dis, quand il a vu la porte bouger là, parce que je l'ai bougé fort, quand il a vu la porte bouger là, il voulait pas m'aider. Quand je suis sortie après mille tentatives d'ouvrage de porte, quand j'ai finalement ouvert cette porte, je l'ai checké, il m'a checké, je l'ai checké, il m'a checké. Oh my God. Bref. Du coup, je suis allée m'asseoir et j'avais un voisin. Et le voisin, il avait l'air super sympa et tout. Il me disait, oh, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il voulait même m'apprendre à comment mettre un film. Sinon, moi, je veux pas manger mes animés. Moi, j'ai mes animés, je m'en fous de. Et à un moment, on devait compléter des documents parce que, oui, dans l'avion, ils vous donnent des documents et tout. Et dans ces documents, vous devez dire si vous avez déjà eu le Covid, si un de vos proches a déjà eu le Covid, des trucs comme ça. Vous devez mettre vos informations personnelles. Si vous avez des questions à me poser sur mon voyage, qu'est-ce que j'ai amené, j'en sais rien. Tout ce que vous voulez seulement. Comme mes apports sur Instagram et dans les barres d'infos si vous avez l'inspiration. Donc, voilà. Enfin! Enfin! Après 8 heures de vol, je suis arrivée à Dubaï à 4h30, on a atterri. On est entré dans l'aéroport, d'abord check. Vous voyez, je vous ai parlé des petits bus là qui vous amènent jusqu'à l'entrée de l'aéroport où vous devez entrer. On a passé 20 minutes là-bas pour y aller, tellement l'aéroport est grand. Ah non, j'ai eu peur. Je vois le truc sortir, je vois les rues, je vois les voitures, je me dis, est-ce qu'il nous amène à un hôtel? Et à chaque fois, j'ai dit, non, il ne peut pas nous emmener dans un hôtel, on n'a pas encore pris de valise. Mais à chaque fois, j'avais peur parce que je voyais d'autres voitures et je me disais, il nous emmène où? Tellement c'était grand et tellement le. En Éthiopie, on avait 2 minutes. Là-bas, on avait 20 minutes, j'étais là, j'ai eu peur. Bref, petite histoire, je suis rentrée à l'aéroport. Et quand je suis rentrée à l'aéroport, la première chose qu'on devait faire, c'était aller récupérer les bagages et l'immigration. On est sur le point d'aller à l'immigration, mais on nous chasse. On nous dit, bon, chasser, c'est violent. On nous dit non, vous devez what? Vous devez refaire le test Covid, le test PCR. Parce qu'apparemment, il y a des pays qui doivent le refaire. Et le Congo en fait partie. Je sais qu'il y a le Nigeria, beaucoup de pays d'Afrique et tout ça en font partie. Il y a aussi d'autres pays, peut-être comme. Bref, je sais plus, je ne connais pas la liste exacte. Vous pouvez trouver la liste exacte, mais j'ai dû refaire le test Covid. Donc j'ai fait le test Covid encore. Je vous jure que pour trouver ce poste, on a pris au moins 40 minutes. Ils disaient allez là-bas et qu'on allait là-bas. Non, allez là-bas. Quand on allait là-bas, allez là-bas. Bref, quand on a fait le test, on est enfin allé à l'immigration. Heureusement, j'étais pas la seule à être perdue. Merci. Donc on est allé à l'immigration, on a fait les trucs des yeux là. Et ensuite, on est arrivé les bagages. Je suis à le truc de genre, il y a différents stands où ils font rouler les valises. Moi, je connais rien. Je leur dis, c'est où les bagages éthiopiens? Ils me disent, porte, enfin, stand numéro 2, enfin, machin numéro 2. Je vais au machin numéro 2. Ils disent, ah non, machin numéro 3. Je vais au machin numéro 3. Oh non, machin numéro 7. Je vous jure, j'en ai fait au moins 4 jusqu'à ce qu'une dame me dise, c'est au numéro 14. J'ai voyagé jusqu'au numéro 14. J'ai trouvé mes valises. Mes valises étaient toutes emballées dans du cellophane. Comment moi je unpack? J'en avais marre. Je voulais juste rentrer chez moi. Ok. Ils ont scanné mes valises. Je suis partie. J'ai trouvé le monsieur qui devait m'amener et tout ça. Et à cause du test PCR, je suis restée 2 jours enfermée dans ma chambre. Et je pouvais pas sortir. Genre même pas un peu. Genre, je suis restée dans ma chambre comme une prisonnière et tout. J'ai commandé de la nourriture. C'était bon. Genre, j'ai commandé chez McDo, chez KFC, chez Popeyes. C'était bon, c'était bon. Et il faut savoir que, en fait, le problème avec mon test, c'est que j'avais donné un faux numéro. Enfin, pas un faux numéro, en fait. Les tests, ils vous donnent les résultats sur votre numéro de téléphone. Et ma SIM ne marchait pas ici. Quand je lui dis, moi, je ne peux pas voyager, ça. I have my reasons. Donc ma SIM ne marche pas ici. Je me dis comment je fais pour recevoir mes résultats et sortir de la prison.
J'ai fait des recherches jusqu'à ce que je trouve un site où si tu entres ta date de naissance et ton numéro de ton passeport, on te sort ton test. J'ai fait ça, on m'a sorti mon test. J'étais la libérée délivrée. Ensuite, je suis partie à l'aventure. Je voulais trop partir à l'aventure. J'espère que vous avez aimé la soutane, les gars. Donc, je suis enfin dans ma terre promise, dans le pays où le lait et le miel coulent. Whatever. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la cloche, ok, de me suivre sur Instagram, comme.w. Je réponds à toutes les questions, ok. Donc si vous avez des questions, abonnez-vous sur mon Instagram, posez-moi vos questions sur mon Instagram. C'est là-bas que vous savez si je poste une vidéo. D'ailleurs, je vais sûrement annoncer pour ceux qui vont regarder mon Instagram. Et on se dit à dimanche pour le room tour. On m'a demandé ça et je vais le faire. On m'a demandé de faire un tour du campus. Le campus, je vais peut-être pas le faire, mais je peux faire le tour de ma chambre et le tour de l'établissement, si ça vous dit. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, l'établissement, le du campus, parce qu'à cause du Covid, je sais pas. Je sais que je dois aller sur mon campus pour faire des formalités, mais je sais pas s'ils vont m'autoriser à circuler, comme ici on m'autorise à circuler. Voilà guys, I hope you like it. Don't forget to subscribe, hein? Ça fait toujours plaisir. Encore une fois, je suis désolée pour les questions, hein? J'ai pas encore maîtrisé mes vidéos. Voilà. See ya.